Ah bah, super. Hop, ça a commencé. Alors, je vais retirer ça. Tac, nous on s'en fiche. Et on est contre un sixième cube, d'accord. À égalité? Pourquoi égalité du coup? Bon, je lui dis bonne partie. Contre un sixième cube à égalité donc. 20 minutes chacun et 5 fois 30 secondes. Il a joué un Oshi. On va jouer Oshi en face, on va voir ce qui se passe. Ça va du blitz à 3 heures 5 fois 120 quoi. Nous on va jouer Doshi. S'il nous approche ici en F3, du coup on va directement approcher en R5 ou Q4, mais en tout cas ça n'a pas lieu. Il fait un Shimari dans ce sens là, donc soit on va prendre le Sansan, on prend le coin. Soit on vient en F3 pour jouer dans la direction de son Shimari. Que son K3 voire F3 soit moins impactant. Je sais pas. Les deux sont sûrement bons. Parce que si je vais ici, en fait, je prends le coin, c'est bien. Hein, je l'empêche de prendre un coin. De faire un coup vers O17. Mais dès qu'il vient ici, il est content. Il a l'extension de Shimari. Et finalement, ça va un peu au même si j'étais venu ici, qu'il était venu ici au début. Que je recule et qu'ensuite il peut faire son extension. En général, on ne laisse pas faire ça. Il prend quand il vient ici. On vient approcher. Ça donne vraiment envie de venir en F3 en fait. Allez, on va faire ça. Allez, c'était un coucou rapide. Go au taf, bonne partie, bonne soirée. Ah oui, ouais, bon courage à toi. Bon courage. Et bonne nuit. On espère. Hop. Il me semble que le handicap est pas standard sur OGS. Tout le monde joue égalité par défaut. Ok. Ok, ok. Ouais, ça peut être sympa. Du coup, j'ai plus à perdre que lui, en soi. Salut Rémi Cube, bienvenue à toi, du coup. Ouais, j'ai vu que tu m'avais commenté sur YouTube. Bienvenue, en tout cas. Et il prend quand même un maximum son action. Il prend vachement loin, par contre. Moi, j'aurais été jusqu'à L3, voire K3, mais là, il prend vachement loin. Maintenant, je suis établi. Ça m'empêche de venir ici, même si je n'ai pas trop envie de tout de suite. Sa pierre est attaquée, en soi. À prendre le coin, il l'a pas pris. C'est bien ça. Ouais, ok. C'est Rémi Cube qui me parlait. Ouais. Plusieurs Rémi sur le dans les commentaires. À chaque fois, il y a Rémi quelque chose. Sur la... Merde, ils sont plusieurs. Il y a handicap moins 1, là. Ah oui, 0,5, effectivement. Je l'ai pas dit au début de partie. Bien vu. 0,5. Ouais, donc. Ouais, normalement, c'est. Ça serait ça s'il était 5Q, quoi. Là, il est 6, donc. C'est quand même avantageux pour moi. Il fait dans cette direction. Je pense qu'il a raison de pas tout jouer dans le même sens. Et il va faire un double Ané. Ah ouais. Il me donne un Ponuki de ce côté. D'accord. Après, j'ai un peu d'espace. Ça va, il y a pire quand même comme situation. On le prend. Il fait le contre Ané. Ça c'est bien, ça rejoint la vidéo qu'on a faite, du coup la dernière vidéo. Salut Sendo, salut Fed, et salut Bobby on the... Salut. Du coup, bienvenue pour votre première fois, Rémi Cube et Bobby. Et salut aux autres, bonne année à ceux à qui j'ai pas dit. Du coup, ça donne envie, là j'ai cité entre le Sansan et approcher ici. Là, j'ai peut-être envie vraiment d'approcher, parce que sinon il va venir me taper direct en R12. Ce qui jouera en même temps double extension pour ce Shimari, après le J3, et ça fera une attaque sur mon groupe. En fait, on attaque avec R12, parce que si je réponds pas, quand il joue R13, j'ai pas d'œil ici. Donc le groupe est vraiment en difficulté. Donc on va approcher comme ça. Ce coup-là, il menace de rentrer directement en Q4. Donc en général, il a comme choix de soit défendre, par exemple, rien qu'avec S6, ou alors pincer, ce qui est plus compliqué là, parce que j'ai un Ponuki derrière. Il le fait quand même, d'accord. Il le fait quand même. Un plaisir, je vais voir ce que ça donne de regarder une partie plus haut niveau. Je garantis rien, mais on va voir. Est-ce que j'ai... La séquence classique, c'est ça, mais dès qu'il revient ici... J'ai plus mon extension naturelle. Ça me donne envie de venir, en fait, de sauter, par exemple.
ou de venir directement en R12. Je pourrais connecter par dessous, ça attaque sa pierre, il va sortir. Je pourrais encore sortir ou venir directement au Q4. On va faire ça, très solide, mais je préfère vivre quand même, c'est intéressant. Peut-être que j'aurais pu monter en Q14 aussi, tout simplement. Tout est ok au fusil. Si je me souviens bien, noir S14 est ok quand noir a déjà une position en bas. Ah, S14. Ok. Ouais, c'est ça. Là, ça a été limité parce qu'il avait une pierre en Q6. Quand je disais ça va, c'est... voilà, il n'était pas jusqu'en R10 à ce moment-là. Quoi. Là où ça aurait été désastreux, j'aurais pas du tout de potentiel. Là, je pense que oui, c'était meilleur pour lui, mais j'aurais pu avoir pire. Voilà, c'est ça. Mais oui, effectivement, c'est d'autant mieux pour lui parce que ce qui l'empêchait de ce côté. Mais en plus, il a déjà une pierre en J3, donc c'est vraiment cool pour lui. Il vient direct là. Est-ce que je joue en Q4? Tac. Parce que maintenant, par rapport aux séquences classiques, il a Q8 en plus, donc il faut faire attention. Q4. Ça peut être compliqué parce que toutes les séquences. Bah tiens, Sando, tu parlais de Mathieu Izotti, là, ces séquences qui montent jusqu'à cette forme-là, où on recule et on fait la forme du scorpion, qui joue avec cette pierre. Mais là, elle est un peu abîmée, puisqu'il y a justement la pierre en Q8, donc... pas évident. Et en même temps, si je... Qu'est-ce que je vais faire? Si, je pense que je vais approcher quand même. R12, bizarre. Ouais, peut-être bizarre, hein, j'aurais dû monter en Q14, je pense. C'était tellement flou pour moi, les projections pendant le Fuseki. Après, là, j'en fais, mais elles sont pas très nettes. Hein. Par contre, c'est bizarre, là, c'est un peu... Bah, il est très solide, hein, mais... Du coup, je joue le Sensen, je m'installe. Et oui, c'est pas incroyable, parce qu'on a l'impression que je sais pas trop... Bah, c'était ça, de toute façon. Avec R12, c'est ni réagir vraiment, par exemple, à Toby pour attaquer cette pierre, ni stabilisé en jouant Q14, c'est un peu entre les deux. C'est pas incroyable. Alors, le problème vient d'avant, je pense, en R12. Ouais. Donc ici, il a pas les chichots. Si je vais en S3 et qu'il prend le chichot, s'il le fait dans ce sens, on tombe sur ma pierre ici, et s'il le fait dans l'autre sens, bah, ça m'atterrit sur cette pierre. Je dis ça, mais je viens de vérifier le chichot quand même, hein, au cas où, vite fait, mais c'est bien ça. Il a aucun des deux chichots. Donc là, il reculerait comme ça, ou comme ça. S'il recule en P3, je prends la pierre. S'il recule en R5, je prends la pierre ici. Il va là, je vais là, il peut faire Shibori, je capture, il fait Atari, tac, mais soit je capture cette pierre, soit celle-ci après. Donc c'est pas très beau, mais ça passe pour moi, non? En tout cas, je vais vivre, ça c'est sûr. Alors, j'ai pas le chichot. Bien sûr que j'ai le chichot. Bon, peut-être que la partie va durer moins longtemps que prévu. Il n'y a pas de guetta ni rien, hein, parce qu'il y a un double atari ici. On n'est pas d'accord, approuvé. Ça paraît kata pour blanc. Là? Ah, il fait ça, ok. Ok. C'est pour protéger et me tuer dans le coin et ou prendre en guetta ici. Ok, donc il capture ses pierres. Ok, c'est moi qui fais de la merde. Ah. Pas très éveillé. Je me fais avoir par un CQ quand même. Bon, je vais vivre dans le coin, hein, pas le choix.
Mais oui, c'est la cata du coup. Ah, il a le guetta, ouais. Ah, je réfléchis pas, hein. On vient vivre tout petit ici, c'est ridicule. S'il vient en S4, on va en S2 et on est vivant. Ici, je dois venir en T2 du coup, non? C'est ça? Un coin reste un coin. Ouais, mais il est ultra fort sur l'extérieur, c'est avantageux pour lui. Et surtout, il est senté. Parce que si je vais en S4, il descend. Et je dois rajouter un coup. Si je vais là, il descend, je... C'est vrai que ça fait chier là, hein. C'est vraiment pas incroyable le début de partie là. Ah non, c'est moi qui ai fait de la merde dès le début. Hein. Faudra que je revoie ça, hein. Le Fuseki est désastreux. Le Fuseki est désastreux. Contre un CQ, ça fait mal. Hein. Ouh. On va pas... Objectif CQ, allez. Ouais. Là, s'il descend ici, je vais en S1. Et s'il va en S1, par exemple... Je vais en S4. C'est Mihai. C'est équivalent pour les deux joueurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il fallait jouer en O7, hein, c'est Guetta. Non, il a plus de Guetta maintenant. Bon, je les sors, hein. C'est des pierres de coupe, elles sont super importantes. Même si c'est moche de les sortir. C'est super important. Il ne l'a pas eu. Non, ouais, c'est... Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est moche. Il fait tellement stressé que j'ai encore vérifié là. Ah, c'est dur pour lui là, par contre. Parce qu'il a fait un bon début, en fait. Ouais. Bon, il corrige tant que c'est corrigeable. C'est bon pour lui là, ça va. On sort les poubelles. Ouais, c'est ça. Je sais pas si je dois encore continuer à jouer avec ces poubelles. Parce que si je vais vers là, ça le renforce. Si je vais vers là, ça ne fait rien de spécial. En soi, il peut pas les capturer parce qu'il y a chiche, il y a... Le chicho marche pas. Donc il faudrait que je prenne le troisième coin. L'empêcher à ce qu'il vienne faire un briseur de chichot. Par exemple, si je fais ça et qu'il vient en E16, est-ce que ça fait briseur de chichot? Et que je défends en E17 et que maintenant il reprend le chichot. Non, ça va. Donc on peut faire ça. Et jouer strat 3 coins. Bon, 2 coins et demi, parce que celui-ci est un peu ridicule, mais bon. En soi, on est solide partout, il y a ça à surveiller, quoi. On vient vivre. On a un œil en T1 et un en S2. Je voulais pas trop avancer en S4 parce que ici, du coup, quand il descend, il se fait un angle vide et on sait jamais comment se déroule la partie, si jamais il y a des petites faiblesses par là, des menaces de coup, tout ça. Il approche de ce côté, ça réveille toujours pas le chichot qui arrive ici. Et en même temps, il dit je développe mon board nord, mais le board nord se développe pas. Hein. On rappelle, si je sors en R18, il va en S18 pour pas perdre le coin. Et je peux venir jusqu'en O18, rentrer sur le board. Donc ici, le board, il n'est pas construit. Il est pas construit encore. Donc je peux jouer ailleurs. Je peux par exemple jouer ce gros point. Et comme ça, s'il approche soit en C14, soit en C6, je peux kick et attaquer fortement directement, c'est déjà pensé. Ça peut être intéressant, je pense. C'est le dernier bord vraiment disponible, parce que sur en haut, comme on a dit, il est pas bien. C'est pas facilement construisible.
En bas, ça a l'air d'être à lui. R2. S'il va en R2, je vais en Q1. Le groupe, les quatre pierres là en devenir, aurait deux libertés en S2 et T1. Et ces deux pierres ont encore deux libertés en S2 et T3. Et celle-ci a trois libertés. Donc non, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu es ? Et salut, Nico. Ça va être plus simple. Tu es, c'est mal. Il faut torturer, tout à fait. Mode de voir la télé qui t'écoute, te projeter. Ah, tu regardes sur la télé ? Tranquille. Ok, il approche comme ça. Est-ce qu'on lui donne le choix ? Si on tape dessus, soit il recule ici, je récupère le coin, soit il va dans le coin et je bloque et il va vivre dans le coin. Les autres choix, c'est des coups comme C15. J'ai également B14, C14. En fait, si je fais ça, qui recule et que je vais là, plus tard, ça lui laisse quand même un bon yossé en B18. Il y a même des faiblesses depuis qu'il y a H17, donc peut-être plus ça. Peut-être plus ça, du coup. Rester plus solide sur l'extérieur. Dire ok, tu prends le coin, ne pas donner le choix. Si j'ai bien interprété le timer, il te reste 8 minutes libres pour ensuite tu n'as que 30 secondes par coup. C'est ça à peu près. C'est donc 8 minutes exactement. Et il y a le 50 parenthèses en fait, c'est 30 secondes par coup. Mais si avant 30 secondes j'ai joué, ça réinitialise les 30 secondes. Je reste à 5 fois 30 secondes. Par contre, si on arrive à 3, 2, 1 et que je repasse à 30, j'ai plus que 4 périodes et je ne pourrai jamais remonter à 5. Et une fois qu'il me reste plus qu'une seule période, si je descends à 0, j'ai perdu par le temps. Donc j'ai quand même 5 cartouches en quelque sorte. Il fait pas dans l'ordre. Non, là tu pousses une fois d'abord. Ouais. Tac, il pousse, tac, tac, tac. Ouais. Mais dans l'idée, c'est ça. Ouais. 30 secondes, c'est bien. 20 secondes, c'est vraiment short, je trouve, pour jouer du Big Yumi. Mais 30, ça va. Ça, c'est pas mal. C'est dommage, là, il aurait pu pousser un moment à un autre en B15. Là, il va vivre, hein, mais c'est pas optimal. Tac, tac, tac. Tac, noir, blanc. Ah non, du coup, ouais, il est mort. Aïe, aïe, aïe. Ah non, il est vivant, c'est bon. Il joue là ensuite. Ouais, c'est bon, il est vivant. À moins qu'on joue là d'abord. Il coupe. Non, s'il coupe, justement c'est une erreur parce que je vais là, tac, tac. Non, quoi qu'il arrive, il est vivant. Mais ça fera des bonnes menaces de coup encore une fois. Si jamais il y a un coup. Par contre, je suis senté, ça c'est cool. Donc on va... Comment on développe ça ? Je sais pas trop. En même temps, il peut rentrer facilement en menaçant par exemple F15, je dois protéger ma coupe. Et ensuite, non, il peut juste réduire, c'est pas incroyable en fait. Peut-être C5 tout simplement. Après C5, est-ce qu'il a vraiment envie de venir en troisième ligne ici ? C'est chaud ? On va faire ça. Alors... Je jouerai D18 là pour tenter de l'enfermer. Bah, il est déjà enfermé en soi. Et D18, il va jouer en C18. Ma pierre sera en danger. Donc je protège en E18. Et il va vivre de toute manière. Donc c'est du yossé. Donc autant ne pas toucher parce que si jamais plus tard justement un coup se déclenche et un coup très important, ça sera des très bonnes menaces justement. Menacer de tuer tout ça. Donc à voir. Il vaut mieux ne pas toucher tout de suite. Je suis trop habitué au pattern de Tsumego avec R2, S2. Ouais, mais il y a souvent des trucs avec ces formes, oui, c'est vrai. C'est souvent ça sur un dos de tortue, ouais. Ça se joue encore, C5 ? C5. Je sais pas, ouais, je t'avoue, je suis pas certain. J'ai un doute sur mon coup. Et il décide d'approcher comme ça, d'accord. On va recouvrir, non ?
Ou pas. Peut-être ça plutôt. Tac, il fait année, je recule. S'il recule lui-même, je peux couper. Et s'il connecte, je peux tourner. S'il monte, je fais ça. Ça a l'air pas mal de taper dessus. On préfère C6, je crois. Ça tue le coin, ça peut pas vu dans le coin si on fait un C6, même un co. Bon, on connecte, ça, c'est quasi sûr. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pas vraiment. Ok. Ok, ok. Donc je pouvais me permettre un peu plus... En plus, là, ça aurait été mieux par rapport à son invasion. Oui. Ah, c'est ce que je me demandais aussi, Valois. Ouais. Je manque d'un peu de théorie sur ça. On va taper dessus, hein. Je vois pas trop de raison de pas le faire. Sachant que s'il fait année ici, on peut couper. Tac. Faudra que je me crée un compte sur KGS. Mais j'ai du mal sur écran comparé au physique. Ouais, c'est normal, moi j'avais du mal au début aussi. Après, on s'y fait, hein, mais... Mais oui, je comprends. Et Anna, c'est l'inverse, finalement, quand ils ont commencé sur Internet. Ils se mettent... pendant les premiers tournois que j'ai joué, il y a quelques-uns qui se mettent debout comme ça et qui regardent par-dessus leur goban, parce qu'ils sont habitués de voir une image en face. Justement, si t'as un peu de mal au physique, tout ça, si jamais c'est les ordi, tout ça, ben, au lieu de mettre KGS et de télécharger l'application, tu peux tout simplement aller sur OGS, parce que c'est juste un site. Donc c'est peut-être un peu plus abordable. Est-ce que c'est abusé de couper? Sinon j'ai ça, hein, tout simplement. Ah, ça fait 6 sorts, je peux aller là. Ça me dira quand même un atterri. Si je coupe... Qui coupe ici? Je vais là. Il monte. Ouais, mais il lui faudrait une pierre aussi en 13. Donc ça va. Salut Crow, comment ça va? On parlait de toi tout à l'heure. On parlait de toi. Tu reprends les streams, toi, maman? Je sais plus qui me l'avait dit, mais... J'ai cru comprendre ça. Ouais, c'est un peu archaïque, ouais. Moi, j'y joue encore parce que j'ai l'habitude, et... C'est là où j'ai commencé sur Internet, donc... Non, c'est là où j'ai commencé tout court, en fait. Donc c'est coup de cœur, quoi. Mais oui, y a plus grand monde, c'est moche, tout ça, tout ça. On va connecter. Il est mort ici. Maintenant, même s'il descend en B12, cette forme ne vit jamais. Alors normalement, oui, mais le sort s'acharne à me les casser. Ah merde. Merde, merde, merde. Enfin, je rigole, mais non, mais... Parce que t'as mis XD. Peut-être abusé, mais attention, chichou. Tac, je crois que ça va, hein. C'est vraiment s'il y a les pierres ici. C'est ici que ça arrive, donc normalement, ça va. En fait, ici, je peux aller ici, je crois. Enfin, même s'il joue en premier, il est mort, non? Même s'il joue en premier. S'il va ici, je joue là. Il y a juste un espace en 3, mais s'il va ici, je vais là. C'est mort. S'il va là, je vais ici. S'il protège, je vais là, c'est mort. S'il va en B10, je vais ici, ce qui menace de repasser au-dessous, donc il coupe. Et ensuite, je vais là, c'est mort. Donc là, il est mort goté, je crois. Est-ce que les coupes sont dangereuses? Ça peut être dangereux, parce que si je recule, il y a des atterris, ça sépare ce groupe. Du coup, en fait, il faut surtout que je protège mes faiblesses par ici. Mais il est mort en soi. Quoique, plutôt comme ça. Ça prévient le chichou, justement, ouais. Et si je joue ce genre de coup, je peux connecter plus sereinement. Alors que si je vais là et qu'il va ici... je dois protéger le chichou, il coupe, et ensuite je dois regarder ces deux pierres, et tout ça. Donc c'est un peu dangereux. Heureusement qu'il est CQ vu le Fuzuki. Ouais, c'était pas glorieux le début parti. Mais bon. Et toi tu t'amuses à taper des CQ. Non, c'est seulement que je suis 4Q sur OGS, donc ça me fait... je vais devoir monter petit à petit. Enfin, vu le niveau que je montre pour le moment,
Je vais pas monter très rapidement. Ah, je vais quand même protéger de ce côté, hein, parce qu'il peut couper comme un bourrin. Maintenant, avec cette pierre, il peut couper comme un bourrin. Donc on va protéger avec ça. Ouais, ça semble pas mal. Ce qui menace de jouer en G13 en plus, c'est de recouvrir tous les pierres, donc il va sortir. Ou faire année d'abord, je sors, puis il connecte. Ah, c'est le Chuban. Comme il est, voilà, c'est ça. Merci Valouet. Ok, il le protège comme ça. Je vais juste connecter en solide. L'abandon. Salut GogDédé. Ça va? Bonsoir. Je regarde si j'ai pas oublié les messages. En tout cas, j'espère que ça va aller pro. On va reprendre tranquille, sereinement bientôt. Si t'en as envie en tout cas, mais je pense que t'en as envie. Ok, donc il attaque toutes mes pierres ici. On voit qu'avec H17, G15 et F13, il attaque ma position. Ce qu'il y a, c'est que moi je suis entièrement connecté ici en Kozumi, donc je connecte soit d'un côté, soit de l'autre. Et ici, s'il joue en E16, je peux tout simplement aller en E15 et ça capture ses pierres. Donc moi c'est un seul groupe. Lui par contre, dès que je joue ici, ça a l'air compliqué. Tac, s'il va là, je vais là. Je peux faire Atari comme ça, certes. Ensuite, dès qu'il coupe, enfin, j'ai juste à mettre un Atari et capturer le tout. Donc on va recouvrir. Je risque pas grand chose ici. En tout cas, il a un début de partie intéressant, mais ensuite c'était plus compliqué. Tiens, un callback. Tac tac tac. Je devais stream un JDR ce soir, mais une des participantes s'est bloquée le dos. Je lui ai dit d'arrêter de me copier. Par contre, c'est la malédiction en fait. C'est... Peut-être que c'est vos persos dans le JDR, ça parle de quoi votre JDR? Ah là, c'est fini. Partie, c'est compliqué là. Resto à la remplace au pire, il prendra une belle voix féminine. Avec ma belle barbe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On va le pousser. Chasse monstre dans une Suède victorienne. Ok, plutôt stylé le décor. Ce que j'aime beaucoup dans l'époque victorienne, c'est tous les aspects un peu steampunk, tout ça. Moi j'aime beaucoup ça. Donc là il menace le chicho clairement. Hein. S'il prend le chicho maintenant, je suis sûr il est obnubilé par ça. Non. On peut faire ça, non? On peut même faire ça, tout simplement, sortir. Tac. S'il vient ici, on joue là. Il fait ça, ok. Ensuite, il fait ça, je vais là. Il va ici, j'ai plus que deux libertés. Donc on ferait plutôt non, cet Atari, il va là, puis ça demande un peu de lecture. C'est nous qui bof. Passe, toujours plus. Si je vais là, peut-être que c'est le mieux. Attends, mais il y a le chichot, ça marche, non? Ouais, le chicho il marche maintenant. Donc il me faut une pierre de plus. Je peux tout simplement jouer là, peut-être au pire. Ah non, parce qu'il fait Atari, tac tac. Et s'il va là, je vais là. Donc il n'y a rien. S'il fait cet Atari. Il n'y a pas grand chose.
Ok, je suis en biomie. On va faire Satari. Tu peux lui laisser les pierres de Shishoui. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu. Peut-être que là, je suis un peu trop gourmand. Oula, la musique est un peu bizarre là. Je vais changer. Ah, c'est. Ah oui, Beastie Boys. Je vais voir ce que je mets. Alors, quelle musique? Bon, le temps de chercher, je vais mettre du Ikao no Go. Voilà, parfait. Ah bon, Crow? Je sais pas laquelle. Dis toujours pour voir. Surprends-moi. Ok, je protège comme ça. Je joue avec le feu là, non? Ouais. Ah, je joue avec le feu. Parce que là, tac, il peut aller là. Si je connecte, il capture. Ouais, non, je fais de la merde là en fait. Sans avoir vraiment aidé ses pierres. Je joue comme ça. T'as pas des problèmes de droits d'auteur avec les musiques sur Twitch? Quand t'es en live, en fait, ça. Quasiment tout le monde utilise la musique, en fait, ça. C'est pas encore au point pour repérer ça. Par contre, sur YouTube, ouais. C'est. Pour ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, c'est quasiment. Bah, c'est tout le temps la même musique. Parce que j'ai énormément de mal à trouver une musique qui soit libre de droit, quoi. D'ailleurs, sur mes dernières vidéos, bah, la plupart des dernières, depuis que je suis à 500 abonnés, là, ils me disent. Vous pourrez monétiser, même si c'est à 1000 abonnés la monétisation, vos vidéos, mais il y a eu justement des strikes en quelque sorte pour, libre de droit, pour les droits d'auteur, alors que c'est sur un compte YouTube où c'est des musiques libres de droit. J'ai juste à mettre en description, et ils disent donc ça n'a aucun impact, mais vous ne pourrez quand même pas être monétisé. Ouais, donc ça a un impact quoi. Donc il faudra que je vois, j'ai envoyé une petite lettre pour voir, mais un peu chiant. Un peu chiant, un peu chiant. Tant que ça coupe pas la musique, parce que ça couperait ma voix en même temps, ça va. Sur Twitch, par contre, sur les rediffs, il faut pas qu'il y ait la musique. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a pas le son des pierres sur les rediffs non plus, parce que je coupe le son du PC. Il n'y a plus que ma voix. Et donc il n'y aura pas le bruit des abonnements, tout ça non plus, des follow. Parce que en rediff par contre ça va repérer les droits d'auteur et ça va me striker, ça pourrait supprimer mon compte Twitch, donc ça il vaut mieux éviter. En soi c'est pas grave ça. Donc j'ai juste à désactiver un petit truc pour pas que ça enregistre ça. C'est embêtant tout ça, non? C'est embêtant tout ça. Parce que là, si je vais là maintenant, je vais devoir les forcer. En fait, j'ai l'impression là, ce que vous me disiez là, j'ai juste pas le choix. En fait, il faut que je prenne. Parce que je vais juste renforcer ici noir à fond. Finalement, ça va devenir une grosse zone de territoire. Ces pierres-là vont quand même mourir. Et ça sert à rien. Ici, blanc est déjà content normalement. Je suis en train de laisser l'occasion de rattraper. Ici, là, il faut imaginer, j'ai pas activé le truc, là, que tout ça, c'est à blanc. Donc c'est bien. Ok, il vient là. On va approcher de ce côté. Ça menace de passer au-dessous en H18, mais également de s'établir en N17. Et ça attaque ces deux pierres. Guzumi, c'est quoi ça? Quand tu as un petit stream, ça va encore. Le risque, c'est de se faire report et donc strike, mais à notre niveau, ça va. Oh ouais. Ah, s'il y a un de vous qui me reporte, ça va pas le faire. On peut venir là. Ça peut être intéressant d'aller là. Protège son coin. Je vais ici. Protège d'une manière ou d'une autre, et comme ça, je saute juste pour m'établir un peu plus facilement.
Ça peut être intéressant. De toute manière, je ferai rien ici de particulier, donc autant faire ça. Et s'il pousse de ce côté, c'est un gros gain, donc on est content. Comment on peur qu'il parte. Ok, il vient là, et on s'établit ici, ce qui menace d'aller en Q18 et il perdrait tout le coin. On peut pas, j'ai rien dit. Ok, là il est un peu craintif quand même. Ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer en M17, on se développe tranquille, on fait un petit groupe tranquille. Ou peut-être un peu plus actif même. Tac, il va là, je recule, il protège d'une manière ou d'une autre. Et on saute là et on fait un groupe sympathique. La musique s'est arrêtée. Ok, ça change complètement de thème. Hop. Ça m'a d'ailleurs perturbé dans tes premières vidéos YouTube parce que tu parlais de la musique. Ouais, elle est cool, c'est ça, c'est rock, mais c'est pas rock du tout. Ah oui, oui, c'était... Du coup, c'était les musiques un peu que j'avais dans les premiers streams. J'arrivais pas à trouver des musiques libres de droit. Du coup, c'était un peu les musiques ascenseur. Du coup, oui, j'imagine pas très rock. Salut, Mad Duck, en tout cas. On va reculer comme on a dit. Il protège d'une manière ou d'une autre la coupe, même si ça protège pas cette coupe exactement, mais on comprend l'idée. Le rock d'ascenseur, exactement. Et là, on va soit aner, soit protéger un peu nos formes. Ça donne envie, mais dès qu'il vient ici, c'est un peu embêtant dans nos formes quand même. Donc j'ai bien envie, mais c'est plus prudent de venir là. Faudrait pas perdre toute la base de vie, quoi. Ça fait combien de temps que tu joues et que tu produis du contenu Go ? Que je joue, ça fait depuis... ça, il suffit de regarder sur mon compte, finalement, KGS. C'est le compte avec lequel je joue, Modoki. C'est pour ça que je m'appelle pas Brace au-dessus. C'est j'ai créé quand j'ai commencé. C'est le 20 août 2010. Voilà. Et si. Que j'ai commencé à créer du contenu sur YouTube, c'est fin 2021, je crois. Mais il y a eu un trou d'un an au milieu. Après. On peut sauter là, il va là, je vais là, il me continue, je peux aller là, ok. Attends, il va là, attaque, puis il va là, attaque, puis il connecte, non, c'est un peu compliqué. Ah, plutôt je parle là, je sais pas, là c'est un peu au pif, j'aurais pas dû jouer ça. C'est, je me suis pris la pression avec le temps. Ouais, ça fait longtemps que je joue, hein. J'ai pas beaucoup évolué en niveau. J'ai fait aussi pas mal de pauses quand je jouais, parce que par exemple sur le FFG, sur mon profil, les tournois c'est jusqu'en 2014 que j'en fais, et après j'ai repris en 2021-2022. Donc ouais, j'ai eu des grosses pauses en fait. J'étais au club de Brest là jusqu'à il y a peu, et des fois il y avait du monde, des fois pendant un ou deux ans il n'y avait plus personne, c'était très aléatoire. Et pendant un long moment il y avait personne qui avait un niveau supérieur au mien, même si je suis pas à un niveau très élevé. Et ben ça empêche de progresser en fait. Donc en fait j'apprenais à d'autres personnes, je consolidais les bases, mais voilà quoi, c'est tout. Et maintenant que je suis parti, le club de Brest est bien actif. En fait c'était moi qui j'ai aidé. À notre âge c'est normal, on progresse plus. Ouais, dépasser un certain âge c'est plus compliqué, c'est sûr. Même moi qui ai commencé du coup de l'utiliser à 16 ans en 2010, ça fait mal de dire ça, j'étais vieux pour commencer un jeu de ce genre en fait, pour espérer atteindre un niveau assez élevé. Salut Mouton, ça va? J'ai commencé à 35 ans, ah oui, un peu plus. Pourquoi ne pas y retourner maintenant qu'il est actif? C'est dommage, non? Parce que je viens juste d'en partir, j'y retournerai, ça c'est sûr, mais je viens juste d'en partir, c'est pour ça. J'ai suivi la copine pour ses études sur Rennes, donc je suis pas parti bien loin. Mais oui, je suis resté licencié là-bas, notamment. Non, je suis chauvin, t'inquiète. On va plutôt faire ça, hein. On va pas risquer la vie sur ce truc. Et après peut-être aller là pour une question de forme. C'est pas très beau hein, tout ça. Ils développent un centre
énorme. Franchement. Ok, il m'attaque. Bah, du coup, je vais connecter. Je regarde si j'ai pas loupé de message. On rattrape pas son niveau en deux jours. On n'attrape pas son niveau en deux jours ? Quoi ? J'ai pas compris. J'ai pas dû lire tous les messages dans l'ordre. Ok, il joue là, je vais ici. Qu'est-ce qu'il veut faire là ? Ici ça marche pas. Il y a double Atari. Et s'il veut menacer genre P15 pour menacer de couper et que je connecte et qu'il veut faire le co, ça marche pas. P16, pardon. Je protège ici. Et s'il va là, encore une fois, il y a le double Atari. Donc il peut pas me couper. Bon, par contre, là maintenant, il joue par ici. Et là, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est fermer ce large territoire. On capture. Et double Atari. Il y a même double Atari de ce côté, si je veux. Bon, ça revient même de faire là, parce qu'il s'il protège, on capture tout. S'il va en O15, que je vais en N15, qui décide de protéger cette pierre, P15, il aura aucune liberté ici, il ira jusque là, on pourrait capturer. Ça, c'est radical, par contre, il n'y avait pas le chichot, c'est radical. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va devoir réduire. Réduire. Comment on fait ça? Oh, je parle. Ah, c'est les règles classiques japonaises, françaises, tout ça. Il n'y a que les règles chinoises, je crois, qui sont un peu particulières où il faut compter les pierres. Là, c'est les territoires. Les pierres capturées qui vont être mises dans le territoire de l'adversaire. Et le commis qui est de 0,5 ici, donc qui change pas grand chose, c'est juste pour pas qu'il y ait égalité. On fait des mauvaises formes, mais on veut juste sortir, réduire son territoire. Ouais, 0,5. Parce qu'on n'a pas le même niveau, donc c'est comme si on jouait à une pierre d'handicap, quoi. Deux pierres d'handicap, c'est noir commence avec deux pierres sur le plateau. 0, ben, on joue à égalité avec un commis normal. Une pierre, ben, noir commence forcément. Donc on enlève le commis. Par exemple, si ça devait être 7,5, ben, c'est 0,5. Et on compte ça comme une pierre, quoi. Si je vais là. Je vais là. Coupe. Et ça, et on risque rien grâce à cette pierre. C'est parce qu'il y a un handicap, d'accord. Sinon, c'est 6,5 ou 7,5. Pas forcément, en fait, 6,5, 7,5, c'est assez arbitraire, en fait. C'est selon les serveurs, les règles nationales, tout ça. Je crois que sur site, j'ai déjà vu du 5,5, je crois. Mais ça peut également dépendre de la taille du plateau. Ok, c'est un peu tard de venir là, parce que je peux prendre en guetta. Normalement. S'il va ici, je prends en guetta, il sort, je vais là, il sort, je vais là. Ouais, c'est bon. Il vient ici. On va aller là. S'il push là, on monte. En règle française, c'est 7,5. Ouais, c'est ça. C'est ça. En règle chinoise, c'est 5,5. Japon, je sais pas, c'est 6,5 peut-être. Je sais plus. C'est peut-être dangereux d'aller ici par rapport à la coupe là-bas, donc on va juste reculer.
Et on aura un Sente derrière, donc c'est quand même bien. S'il bloque, on est Sente tout de suite déjà, donc on va pouvoir continuer à réduire. Peut-être aller même jusqu'ici, menacer de sauver cette pierre. Ok. Donc là, on fait le Geta dont on parlait. On a encore 4 périodes, donc ça va. Ah, il est toujours pas en BBB, j'avais même pas fait attention. On bloque ici. Et là, le piège se referme. Elle a pas été très propre comme partie, hein, de mon côté comme du sien. C'est pas très beau à voir. Quand je joue avec ma femme, j'aimerais savoir quelle règle utiliser, c'est un peu flou, désolé. Ah oui, bah oui, c'est normal. Je te conseille, je vais regarder ça. Hop. Tout simplement, FFG, et tu utilises les règles officielles de la FFG par exemple, et voilà. Tout simplement, hop, je te copie-colle ça. Et t'embête pas avec ça, hein. C'est approximativement la même chose. Ok, il décide de faire ça, donc je capture. Il capture ça, ok. Moi, je vais aller là. Déjà, ça retire le territoire qu'il aurait pu faire ici. Et en plus, si je continue en K3, ça peut menacer de prendre tout ça. Donc ça devient dangereux pour lui. On va couper. Hein. S'il m'amène vers le haut, je capture tout ça. S'il m'amène de l'autre côté, je capture cette pierre. Tac, il va en bas, je monte. Ouais, c'est ça. Hein. Ça a l'air compliqué pour lui. S'il va en bas, je monte. Je fais ça, tac, tac. Ouais, ça a l'air tranquille pour moi. Oh, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Attends, j'ai peut-être fait une bêtise ici. Tac, je monte. S'il vient là, on va ici. Il va là, on atterrit. Je réponds, il fait ça. Tac, tac. Ouais, j'ai peut-être fait une bêtise ici. Juste reculer gentiment, mais c'est peut-être une erreur de notre part. Ok, est-ce que ça influe sur le truc? S'il fait atterrir comme ça, on va là. On peut prendre cette pierre, mais on capture. S'il va ici maintenant, on va là. Il va ici, on va là. Ça change rien. Donc on perdra cette pierre au maximum. Est-ce qu'elle est importante? Non. C'est bien d'avoir un Sente justement ailleurs. Donc on va jouer ailleurs tout simplement. Oui, oui, oui. On va faire ce coup, on en parlait. S'il vient ici, on peut aller là. Il prend la pierre, certes, mais on aurait pu rebondir pour aller vers le centre. Et s'il reculait ici en S9, on reculait, c'était déjà un bon gain. Si j'avance, il capture et je devrais rajouter un coup en S11 de toute manière, donc autant reculer tout de suite. Ce qui me laissera peut-être faire du S8 plutôt plus tard. Hop. Bon, on est en avance, hein, je pense quand même. Alors, sauf dans la méthode de décompte facile. Ouais. Ah non, mais il y a peu, t'inquiète, il n'y a pas eu tout de flou, t'inquiète. Hop. Qui est une façon simplifiée de compléter qui ramène au même résultat. De quoi? Oh, je passe lui. Hop. Donc il m'attaque de ce côté, d'accord, il y avait peut-être des petites faiblesses. S'il vient ici, Atari. Non. Je vais là, il fait Atari. Je perds une période, je pense, c'est pas grave. On va aller par ici, s'il vient au milieu, je vais là, il peut couper, ouais non, on va peut-être pas aller jusque là. Comme ça plutôt. Ça il peut pas couper. On réduit ça, encore une fois. On veut qu'il ait le moins de points possible dans la zone. Déjà à la base il devait aller jusqu'ici, donc il y a une belle réduction. On pousse vers là. S'il protège, on pousse vers là, s'il protège, on peut aller de ce côté un petit peu, etc. Et après, ben là, on est déjà dans l'IOC en fait. On est déjà dans la fin de partie. Ici, on peut aller... peut-être jusqu'ici.
s'y protège. Là, on peut faire année, je pense, avec tous les petits problèmes de Atari dans un sens, dans l'autre. Il y a peut-être des petites choses. Alors, ici, si je vais là, qui vient ici, je peux faire Atari, il va là, je fais... Qu'est-ce qu'on fait? Je pouvais pas aller jusque-là? Si je vais ici et qu'il va là, Atari, tac. Faudrait couper ici d'abord, peut-être. Ah, je fais n'importe quoi, là, je pense. Zut. Je lui donne des points. J'ai jamais trouvé une vidéo explicative sur cette fameuse façon simplifiée de compter les points. De quelle façon vous parlez? Je suis pas trop suivi. C'est un schéma dans l'article de REC qui explique la méthode de comptage de décompte facile. Ok. Bon, tant pis, ici, j'ai fait des erreurs. Non, je vais pas compter la partie, quand je parle pas mal, c'est assez compliqué de compter. C'est assez compliqué de compter, en fait, quand tu commentes. Le pire, c'est que quand j'ai lancé le stream, je me suis dit, aujourd'hui, je vais essayer de me focus sur la partie un peu plus et tout. Bah non, tu peux pas foutre des vents aux gens, en fait. C'est plus agréable de discuter. Bon, je risque rien ici. On va forcer par là, c'est un petit point. Mais ouais, je suis pas très content de ma partie. En fait, j'ai traîné ça tout le long, ça lui a donné un gros potentiel. Parce que tu vas me dire que je suis en train de perdre. Ici, ça fait quelques points quand même. Au lieu de compter les pierres présentes sur le goban, tu donnes une pierre à l'adversaire à chaque fois que tu passes. Ah oui, ça aussi. L'erreur, c'est de sortir les poubelles, je pense. Ouais, au début, ouais, c'est là où j'ai... Oui. En fait, voilà, c'est ça, au début, je me suis fait n'importe quoi. On va revoir ça après. On va revoir ça, le début de partie, notamment. Je sais pas trop quoi faire. On va faire ça. Tac, et ensuite aller là, peut-être. En même temps, c'est pas son territoire ici, donc... Ah, au début, non. Et ensuite, si. Et ensuite, si. C'est bien, il vit. Y'a plus grand-chose, hein. On va descendre ici. Je vois pas trop quoi jouer, c'est assez difficile. Si je vais là, c'est une petite erreur. What? Il y a quand même double Atari, hein, si tu viens là. Il n'y a pas moyen de connecter. Tac, il va là, j'ai là. Je peux aller là, Atari. Mais lui-même Atari, donc non, il n'y a pas moyen de connecter. Dommage. Dommage, dommage. Attends, depuis quand il m'a coupé ici? Oh là là, je suis ailleurs. Je vais mourir avec ça si je continue. Comme ça. S'il vient là directement. On va là. Tac, tac, tac. Ouais. Je suis pas vigilant. Je suis pas très vigilant. Bon, il y aura pas mal de choses à revoir dans la partie. Là, notamment quand il est sorti ici. C'est quand je t'ai répondu, Sendo, ou je sais même pas, j'ai même pas fait gaffe. Failli crever. Tch.
Je risque rien ici, hein, même s'il vient là. Capture sa pierre. Ouais. Donc on va connecter au-dessous ici. Ça me rappelle une partie où tu papotais tranquille, t'es nuqué une fois, t'es nuqué deux fois et tu décèdes. Oui, mais oui, je me rappelle, oui. Et ça peut aller vite, hein. Ça peut aller très vite en fait. Tu es distrait pendant 30 secondes et tu joues trois coups comme ça, tu te dis ça va, tu joues sur des formes, des réflexes en fait. Et en fait, non, dans le contexte, ça passe pas du tout. C'est. Ok. Je vois ce qu'il voulait faire ici, jouer là et se dire j'ai plus qu'une seule liberté, mais non j'en ai eu davantage. Oh c'est l'Atari ici pour pouvoir jouer là. On connaît ça. Bon on va connecter au bout d'un moment. Faire l'Atari. Peut-être que j'aurais dû faire l'Atari, il va là, puis je connecte. Ok, goté. Parce que là ça lui laisse ce coup là plus tard où je protège. C'est un peu bête. Si tu débutes, t'as pas besoin de savoir ça. De quoi ? Alors vraiment qu'on m'explique les subtilités de cette méthode simplifiée de comptage des points. Ok. On protège. Pour t'avouer, Rémi, je vois même pas de quoi on parle dans cette méthode simplifiée. Je sais pas quoi jouer. Hein. Ça peut-être. Ouais, peut-être ça. On va essayer de pas passer une seule période, ça serait bien. Il y a aussi des choses par ici, c'est assez dur de savoir quel est le meilleur coup. Il faut comme ça, on va protéger comme ça, voilà. À répondre à qui ? Ah ouais, je perds tant que ça. C'est chaud, du coup je perds contre du 6Q maintenant. Aïe aïe aïe. Moi quand je compte les points, ça prend du temps. Je compte tous les pierres et territoires d'une couleur. Ah tu peux. Tu peux aussi comparer tout simplement en te disant cette zone a l'air à peu près aussi grosse que celle-ci. Cette zone a l'air aussi grosse que celle-là. Mais effectivement, de toute manière, si t'es débutant vraiment, ne prends pas trop la tête avec ça comme dit Sendo, parce que. Ça va venir à l'expérience si tu vas le sentir ou pas. Oui, par exemple, ici, là, dans cette partie, je peux me dire, tiens, son centre ici, là, quand je regarde ça, ça a l'air plus petit que toute la zone ici. Ensuite, les quelques points qu'il y a par-ci, par-là, des deux joueurs, on va dire que c'est équivalent. Donc, normalement, je suis en avance. Très brièvement, quoi, c'est vraiment... Au moins, ça te permet de voir si t'es pas en gros retard ou en grosse avance, quoi. Je sais pas pourquoi je veux répondre ici. Même s'il va là, je vais là. Ah, y a rien ici. On va faire atterrir ici. Ça, on est sûr d'être connecté là. D'accord, il se voyait vivant ici depuis tout à l'heure, du coup. J'ai pas dit pour qui. Ah, la musique, ça change bien d'une musique à l'autre. Ok.
vient s'installer par ici. On va venir là. S'il vient ici, on pousse là, tac tac, puis ici. Y'a rien. Y'a rien du tout. On vient là. Il se fait pas d'œil en plus ici en fait. Donc on risque rien. Là, la plus grande. Le plus grand risque de perdre, c'est autant. Ici on est connecté tout là en fait, donc ici on a des yeux à foison. Là il fait pas d'œil. Non non, il vit pas sur le bord, t'inquiète, il n'y a aucun œil ici. Même s'il vient ici, je vais là, ça c'est un faux œil, ici il y aura un faux œil, s'il va là. Ici on a déjà énuméré les possibilités tout à l'heure. Il est mort. Est-ce que ça change quelque chose? S'il vient là, je vais là, s'il vient là, je vais là. Ça change rien du tout. J'ai beaucoup de coups gotés en fait. J'ai ça qui menace un double Atari et qui retirera ce point. Ouais. Ici, ça menace de venir en L11, faire un double Atari sur ces deux pierres, capturer une ou l'autre et du coup détruire les points en centre. Et en même temps, ici, plus tard, ces six pierres seront mises en Atari et il devra jouer ici. Et là, il répond, là, il protège un point. Est-ce que c'est dramatique ? Y a rien du tout. Là, c'est dramatique pour lui, par contre. Là, ça fait mal. Aïe aïe aïe. Là, ça fait mal. Déjà. De l'autre côté. Par tous ces points centres. Ici, il y aura peut-être un petit piège un jour aussi où Atari protège et ça capture derrière. Ouh, on sent la séquence foireuse où je tue tout ça. Hein. Il l'a senti venir aussi. Et du coup, on peut sauver cette pierre. On peut pas couper, malheureusement. Bon, on va juste sauver la pierre. Comment on fait ça? Comme ça ou comme ça? On va faire ça. Et là, ouais, y a plus aucun point ici, c'est dramatique. Ah là, il peut abandonner. T'auras sauvé le soldat O11, ouais, carrément. C'est ça, à l'abandon tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Ça rajoute encore du OC, cela dit. C'est long. Je vais perdre pas le temps, hein. À venir par là, allez, connect. Ça dit, si je le coupe, il est pas mort, il pourra connecter, mais... Je préfère connecter, je comprends. Qu'est-ce que je fais? On peut capturer ça, il a pas répondu tout à l'heure. Là, il faut jouer ici, sinon il perd toutes ses pierres. Ok, pour moi. Là, il faut regarder. Si je joue ici, je prends toutes ces pierres. Si j'ai... Mais je perds ces deux-là, parce qu'il les capture derrière. Ça fait 1, 2, 3, 4 points. Et ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça vaut largement le coup. Surtout que c'est santé. Oui, on prend déjà et il capture. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Goté de descendre là. Ici, c'est beaucoup de séquences goté également pour moi. Goté. On n'a aucun santé, j'ai l'impression. Hein. Donc, kiff. Hein. Faut juste que ce soit pas un santé pour lui. Bon, peu importe. Hein. Peu importe. Le petit soldat. Ah merde, oui, pardon. Je l'ai abandonné. Ah, le faux espoir pour le soldat.
Je l'ai oublié aussi vite que je m'en suis rappelé avec toi. Ah, ce faux espoir pour lui. C'est dur. Y a pas une petite séquence pour lui. Atta qui joue l'attaque. Bah non, parce que j'ai un œil ici. Donc, et même s'il descend, on joue là. Non, y a rien. Ok. Donc on récupère le CNT. Ici, ça a rien changé. Tac, 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 tac. Non. Il n'y a rien d'incroyable. Hein. Encore une fois. Il n'y a rien d'incroyable. On va juste jouer les gotés. Essayer de ne pas perdre par le temps. Il a vendu cher sa peau. Le soldat avec le groupe de Spire. Ouais, voilà. C'est un beau sacrifice. On va protéger ça. Ici, c'est des points damés. Donc ça, Rémi, si t'es toujours là. C'est des points, en fait... sur l'ordi, t'es pas obligé de les compléter. Quand tu joues avec quelqu'un sur vrai plateau, il vaut mieux les compléter parce que c'est des points qui vont être à personne. Donc l'ordi, il compte bien les points facilement. Par contre, quand on est avec une personne, quand on va essayer de reclasser un peu les territoires, il vaut mieux les compléter. On joue chacun une pierre. Parce que sinon, à la fin, on peut être mince, c'est acquis ces points-là. Quoi. Mais c'est des coups damés, en quelque sorte, qui ne servent à rien. Et il a abandonné. Ok. Donc ouais, 58 points. Effectivement, compliqué.